Le champ de force concentre son énergie à ton point d'attaque. Si tu arrives à le prendre de vitesse, tu pourras le franchir. Censé le protéger de ça, de toi. Maintenant, il est mort. Je suis sûre que c'est une bonne nouvelle pour toi. Il me manquera aussi. Tu le penses vraiment? Il a été mon ami. Je lui ai confié ma vie plusieurs fois. Atlantis. Perdu. Je n'ai pas écouté. Maintenant, nous allons tous mourir. Il est trop tôt pour abandonner. Quelqu'un sait où sont Beetle et Firestorm? C'est de ta faute, Bruce! Cal et moi, on aurait pu battre Brainiac. Tu aurais dû suivre nos ordres. Arrête, Diana! Des millions de gens sont piégés sur ce vaisseau. Il faut qu'on les sauve! Pas avec lui. Quel discorde. Pas étonnant que les humains n'aient pas encore étendu leur civilisation au-delà de leur petite planète. Tu appelles juste pour ça? Mes bêta prennent position sur toute votre planète. Dans une heure, ils exploseront à l'unisson, brûlant l'atmosphère terrestre et transformant la planète en lune désertique. Sauf si vous me livrez Kara Zor-El. Elle est la seule survivante de Krypton. Et ma dernière chance d'étudier les effets d'un soleil jaune sur les cellules kryptoniennes. Livrez-la moi, et j'épargnerai votre monde. Même si tu étais digne de confiance, on n'accepterait pas ce marché. Vous avez une heure pour y réfléchir. Merci de donner sa chance à la petite nouvelle. Je devrais aller me rendre. Non. On trouvera un moyen de percer les boucliers de Brainiac. Il le faut. On peut essayer de les court-circuiter, mais il nous faut une quantité d'énergie démentielle. La science n'est peut-être pas la solution. Donc ils pourraient être vulnérables aux attaques magiques. Je peux tirer une immense quantité d'énergie du rocher de l'éternité à travers le passage de Kandak. Mais il me faut un artefact, un support pour la canaliser. Quelque chose qui résiste à cette puissance. Pourquoi pas le trident d'Atlantis? Oui, ça peut marcher. Bon, on neutralise ses boucliers et après. D'après Cyborg, Brainiac contrôle le vaisseau par la pensée. J'ai bien réussi à le déconnecter de l'œil. On peut peut-être créer un brouilleur qui bloquerait son réseau neuronal. Si vous neutralisez les boucliers de Brainiac, on pourra désarmer les bombes bêta. Ce sera notre plan. Aquaman, Adam, vous allez à Kandak. Le rocher de l'éternité est caché dans une poche dimensionnelle. Je me suis retenu d'ouvrir son passage depuis l'invasion de Brainiac. Il risquerait de nous repérer. Exactement. Une fois la porte ouverte, il ne faudra que quelques minutes pour que Brainiac attaque. Un combat que j'ai hâte de livrer. Ô ancien, révélez-moi la voix dorée. En vos noms, Chu, Eru, Amon, Zehuti, Aton, Mehen. Black Adam a dévoilé le pouvoir de Kandak et son emplacement. Que la société obtienne un échantillon du rocher de l'éternité. J'aimerais étudier ce que la Terre appelle magie. La société n'existe plus. Ils pensaient qu'ils allaient conquérir la Terre, pas que tu la détruirais.
Et toi, Grodd ? Je me fiche de la Terre. Je sers Brainiac. Sage décision. Je te donnerai de nouveaux soldats. Apporte-moi cet échantillon avant que la Terre soit détruite. Et ta loyauté sera récompensée. Il faut faire plus vite. Pas la peine. Il est déjà trop tard. Un extracteur est déjà en route. Brainiac va s'emparer de Kandak. Tu as besoin de pions, Grodd ? Un pion peut remporter de grandes victoires, à condition d'être prêt à le sacrifier. Salut à tous et à toutes, la team Gaming, c'est Wagmi, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Bien, aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e épisode de Injustice 2. Ça faisait ultra longtemps que j'avais pas fait cet épisode. J'en suis vraiment désolée. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai parfois un peu la flemme de le faire. Mais cette fois-ci, je vous assure, on va continuer Injustice 2 et ça s'arrêtera pas là. Parce que peut-être que c'est la fin de l'histoire, on n'en sait rien. Mais bref, on s'en fout, on va faire le combat. Donc là, on est Aquaman. Et les gars, ça fait ultra longtemps que j'ai pas joué, donc je m'en rappelle plus très bien des touches. Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Hop. Tac. J'adore Aquaman. Il est trop fort. Aïe. Oh mince. Ça fait mal. Ok. Ressens la colère de Poséidon. Oh. Aïe. On va faire son attaque. Attendez deux secondes. Tac. Ça fait mal. Ouh. On n'aura pas ce roi aussi facilement. Voilà la cavalerie. Logique que vous mourriez ensemble. Vous, les derniers monarques du genre humain. Quel genre de dictateur sacrifie les siens au profit de Brainiac ? Je ne suis loyal ni envers Brainiac, ni envers Gorilla City. Seulement envers moi. J'attendrai que cet extraterrestre montre sa faiblesse, et je le tuerai. Avec son vaisseau, personne ne pourra m'arrêter. J'en ai assez de toutes ces comédies. Ton arrogance causera ta perte. Ce n'est pas de l'arrogance quand on est vraiment exceptionnel. Oh, alors les gars, je sais pas si c'est le jeu, mais la tête de Grenaro a un petit bug. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est le jeu, hein, perso. Ou peut-être que c'est un cyborg, j'en sais rien. Aïe, aïe, aïe. Ah, si ça vous embête pas les gars, je vais... Les amis, pardon. Ou plutôt la team. Je vais juste voir les petits combos qu'il a, Black Adam. Alors, tempête d'éclair, magie noire, frappe éclair. Ok, c'est bon. Tempête d'éclair, c'est quoi? Aïe, aïe. Ah, ok. Ah, c'est pas du tout ça. Ah si, c'est ça. Ok. Stylé.
Oh. Oh. Ah oui, ça c'est cage d'éclair, je crois. Ouais, c'est ça. Attendez, on va faire son attaque dans pas très longtemps. Attendez, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est R2. J'ai oublié les touches, hein, clairement. Oh, ce que j'ai. Ok, maintenant. Oh, mince. Oh. Oh, le bâtard. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Exceptionnel n'est pas le mot que j'emploierais. Blue Beetle. On te croyait mort. Le scarabée est invincible. Batman m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Voyez-moi comme un renfort. Venez. Alors, comment est-ce que ça marche? On imprègne ton trident d'une étincelle du pouvoir du rocher. Une fois sa puissance libérée, il cherchera ton arme. Là, tes pensées conduiront le pouvoir du magicien jusqu'à sa cible. Je suis prêt. Blue Beetle, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'obéit. Un agent dormant. Pour te faufiler ici. Malgré la puissance de son scarabée, je n'ai pas eu de mal à le manipuler. Allez, Raimé, tue-les! Quel gâchis, cette armure, sur un enfant. Après tout ça, je lui arracherai le scarabée. Et je lui prendrai ses pouvoirs. Alors ça, tu peux toujours rêver, mon gars. Enculé! Ah ouais, mais faut pas oublier que Blue Beetle est chaud quand même, hein. Ah bah ouais, il rigole pas. Enculé! Attaque ta race aussi, il veut pas attaquer. Oh! Merde. Merde. J'ai oublié comment on fait les attaques! Oh, je suis un putain de bouleur. Voilà! Enfin! Ah, c'est une armure, ok. Alors, vite fait, fente de trident, balayage de trident, lancer trident, coup de tentacule, bouclier d'eau. Oh, le bâtard! Tiens, c'est comme ça, connard. Voilà. Oh, c'est méchant. Oh! Attends, déjà, laisse-moi tranquille. Ce serait bien. Putain, j'arrive pas à faire des combos. Ok, lancer le bouclier. Aïe. Ah, j'arrive pas! C'est chaud. Il est ultra fort. Oh non! Ok, c'est bon. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Tu m'as l'air bien pressé. Toi, un roi? Tu n'es qu'une brute. Un vrai chef est au service de son peuple, et non de ses propres intérêts. Quoi qu'il en soit,
Je serai le seul à sortir vivant de cette grotte. Tu t'en es pris au mien, Grodd. En leur nom, j'obtiendrai justice. Bien parlé. Bon les gars, cette fois-ci j'arrête de parler, là faut que je me concentre. Oh bâtard. Waouh. Hop. Voilà, donc les gars, si mon son de base change, c'est que j'ai un nouveau casque Pro Gamer. C'est pour ça que mon son a changé. Vous m'entendrez beaucoup mieux ainsi. Très mal. Très très mal. Oh l'enculé. Eh, on se calme hein. Sinon je peux faire ça hein. Voilà. Elle fait tellement mal cette attaque. Aïe. Hop là, c'est bon. Je l'ai calmé l'algorithme. C'était pas le bon jour pour me tester. Stupide humain. Les citoyens d'Atlantis réclament justice. Ils veulent Brainiac. J'ai vu son esprit, senti sa puissance. Rien ne l'arrêtera. Contrairement à toi. Ça va, ta tête ? Elle est vide. Comme d'habitude, alors. Canary, Arrow, poussez-vous de là! Bon alors, Cyborg, il est où ce brouilleur ? Il arrive ! Tout ce que t'as à faire, c'est l'activer. Mais il n'agit que dans un petit périmètre. Il faudra que tu sois tout près de Brainiac. Bien. Thank you.
Ça a marché, bouclier HS! Supergirl, avec moi. Victor, aide les autres à combattre ces bêtas. Le signal s'intensifie par là. Qu'est-ce qu'il y a? Des voix. Des milliards de voix. Langues différentes. Les Kryptoniens. Kandor, Argo City, ma planète. Il faut qu'on les aide. Je ne sais pas si on peut. Il y a forcément un moyen. Kara-Zor-El. Jusqu'à récemment, je pensais ma collection de Krypton complète. Mais quand je t'aurai capturé, elle le sera. Tout ce que tu as entrepris pour me faire obstacle a échoué. Tu n'as rien d'exceptionnel. Tu n'es qu'un spécimen insignifiant d'une espèce primitive. Occupez-vous-en. Où est Kara? Prisonnière, quelque part sur ce vaisseau. On va la trouver. Mais on n'a que 20 minutes avant que les bêtas de Brainiac ne réduisent la Terre en cendres. Pourquoi les autres sont pas là? Ils combattent les bêtas, au cas où on ne s'en sortirait pas. Ça va aller. Firestorm, qu'est-ce qui t'est arrivé ?